Et c'est parti. Salut à tous, c'est Seven. Aujourd'hui pour un nouvel épisode d'une nouvelle saison, d'un nouvel game, d'un nouveau personnage, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle mort. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose de jamais réalisé sur la chaîne. Je suis parti sur une saison One Life. À la première mort, c'est la fin du jeu. Et je vais décrire un petit peu le récit de la mort de mon personnage pour reprendre un petit peu l'idée de Project Zomboid. On va commencer, on va s'installer, on va jouer comme si c'était nous qui étions au cœur de la survie, comme si c'était nous qui allons mourir, comme si c'était nous qui devions résister. Et on va faire cette première saison, premier épisode qui sera tourné hors live. Et je compte sur vous pour me donner votre avis. Est-ce que vous aimez ce style de game, ce style de challenge? Est-ce que vous voulez en voir d'autres? Est-ce que vous voulez qu'on fasse des lives dessus? Tout ça, je compte sur vous. Je spawn volontairement un petit peu à côté. On va se poser. Let's go, my friend! L'idée, ça sera de survivre le plus longtemps possible, de résister. Et tout en n'oubliant pas le challenge, ou l'idée du challenge. Nous n'avons qu'une seule vie. Nous ne pouvons pas réapparaître. C'est now or never. J'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère que vous apprécierez ce type de contenu. N'hésitez pas à laisser en commentaire savoir si vous voulez que je continue à faire d'autres saisons, parce que je suppose que ça va durer que quelques épisodes, on ne sait pas, ça va être totalement de suspense. Si vous voulez qu'on fasse des lives dessus, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire et j'espère que vous pourrez mettre un maximum de pouces bleus. Et bienvenue à tous sur la chaîne. Et c'est Monsieur PC7 sur Scum. Let's go. Évidemment, on est sur un serveur totalement hardcore. Pas de loot. PVP. C'est important de le préciser. Human asset established. Greetings, human asset. Welcome to Scum Island tutorial protocol provided by the Tech One Corporation. My designation is Dual Energetic Entity Neural Appliance Ardina. I am an artificial intelligence created by the Tech One Corporation tasked with overseeing the Scum Show protocols including the preparation of human assets. If you wish to activate the tutorial, please do so on your journal interface. Secure channel closed. Bonne chance à tous. Bonne chance, Mr. One Life. Let's go. Va falloir résister, survivre le plus longtemps. Tuer, évidemment. Se nourrir. Résister à tout ça. On a spawn en fin de map. Il n'y a pas de map non plus sur ce serveur. On va essayer de faire comme on peut. Ça va être assez difficile. Et donc, que ce soit une mort de zombie, de mecha ou d'un joueur, chaque mort, ça mettra fin à la saison, au nouvel épisode. Donc l'idée, ça sera aussi de survivre le plus longtemps possible. Ça, du coup, on va le laisser. On va vite fait s'équiper comme on peut. Le départ d'une game comme ça, c'est toujours le même. De faire attention, se protéger. De survivre le plus longtemps possible. Et les premières heures vont être très importantes. Donc là, en même temps, pour ceux qui découvrent le jeu... ce que je fais là, c'est valable pour chaque nouveau joueur, chaque nouvelle game. C'est faire de quoi se défendre. Un arc. Peut-être une hache. Un petit sac. Quelques flèches. Et après, on part à l'aventure. Mais quelle aventure? On a spawn vers les éoliennes pour ceux qui connaissent. Nu parce que parfois il y a des spawns de véhicules avec un peu beaucoup de chance. Ce qui n'est pas la coutume de la chaîne, genre on aurait pu trouver quelque chose. Et il est midi 3 dans le serveur. Allez, c'est parti. Faut faire le nécessaire. Allez mon ami, let's go.
essayer de se faire la hache. Plus de sacs, quelques flèches. Et j'ai vu qu'on allait spawn pas très loin d'un bunker. Alors je sais plus si c'était par là ou par là, mais on ne doit pas être très loin. On est tout seul sur l'île? Non, je crois pas. On n'est pas tout seul. Et pour ceux qui connaissent Scum, c'est loin d'être des amis qu'on peut croiser. Que ça ait du zombie au mecha, au bambi, au mec tout équipé. Le meilleur des conseils, c'est de fuir ou de tuer. Et let's go. Après, on attaque le sac et on y va. Allez, mon gaillard, on compte sur toi, mec. Ça va pas être facile. N'hésitez pas, lors du premier épisode, là, tout de suite, au moment où je vous parle, de commenter, jouer le jeu. Combien de jours pensez-vous qu'on va pouvoir survivre sans mourir? On est sur un monde post-apocalyptique. Les ennemis sont affamés, sont dangereux. Ils veulent la peau. Ils veulent notre peau. Ok, let's go pour les points de fame. Ils nous serviront techniquement à rien, puisqu'il n'y a pas de respawn. Il se peut, selon la difficulté, sur les prochaines saisons, qu'on fasse un challenge si un kill est réalisé, que ça nous donne une vie, etc. Pour mettre un petit peu plus de piment. La moindre erreur va se payer cash, puisqu'il n'y aura pas de deuxième vie. Alors, je vous avoue, c'est aussi mon premier essai. Je lance l'enregistrement comme ça, à l'arrache. Ça se trouve, on va mourir dans 3 minutes, comme dans 1 heure, 6 heures, 5 épisodes, 1 semaine, 15 jours. On ne le saura pas. Comment va se dérouler notre vie? Notre séjour, entre guillemets, sur l'île. Rendez-vous très vite. Allez, mon gaillard. On y va, on se dépêche. Nous avons faim de découvrir le monde. Alors certes, il ne faut pas mêler vitesse et précipitation. Il va falloir la jouer tactique, technique, stratégique. Il en suit aussi parfois. Ça monte, ça monte. Pour ceux qui n'ont pas vu le début de la vidéo, j'ai mis 2 skills en force, 2 en constitution, 3 en dextérité, 5 en intelligence. Fusil intermédiaire, arme de corps à corps basique, course intermédiaire, endurance basique, vol max. Ingénierie supérieure pour que je puisse faire des locks, les pièges. Survie, ça va monter tranquillement. Camouflage intermédiaire, perception basique. Et on est parti sur un personnage qui est censé faire le boulot. Regardez ça de côté. On va faire quelques flèches, on y va. Espérons que tout se passe bien. C'est important, c'est un start, c'est toujours un petit peu long. Mais il faut se préparer. On n'aura pas de deuxième chance aujourd'hui. Ça augmente le skill, ça augmente les points de fame. Ça permet au moins de taper soit au corps à corps, soit de lancer quelques flèches. On va trouver des slots rapidement. En espérant qu'il n'y ait pas trop de rollback sur le serveur. C'est le gros virus des serveurs scam actuellement. Allez, on en fait encore quelques-unes et on part. On est un peu visible, il faut rapidement trouver des fringues, même celle d'un zombie, ça sera beaucoup plus camo. Allez, 3 dernières flèches. On va couper la musique. À partir de maintenant. Bon courage, bon chance.
On avait fouillé. Yes, let's go. Oh, le DJ, il a tout cassé. On va ramasser rapidement parce qu'il va demander à se nourrir dans les prochaines minutes. Les cactus pour l'eau, les troncs pour éventuellement des arbres, des larves, pardon. Bon, laissez la team poissard, hein. Le leitmotiv c'est de pas avoir de chance. Hein. Je vais au moins en partir avec un. Voilà. Ok, le bunker il est là. On voit le grillage. Chaque loot va être important. Je pense qu'à terme on va essayer de s'installer dans un coin et de rester planqué. J'utiliserai volontairement pas la carte pour rendre le périple le plus difficile. Il y a eu du passage. On est sur du loot inférieur à la normale. Hein. Je vous passe l'info si ça peut vous intéresser. Ça, on va prendre tout de suite. Ça nous rend un petit peu plus discret. Okay. Rien d'autre à fouiller. Tout est bon. Hein. On est dans une galère. Hein. Énorme. Tout est bon à ramasser. Les bonnes l'eau comme ça? Non. Ça valait le coup d'essayer. Hein. Je sais pas où est l'entrée du bunker, mais... Ça a été fouillé hein, par contre. Hein. Mais pas du tout ce bunker où se déplacent les mechas, tout ça. Les flèches qui transpercent, c'est pas trop le moment. Ouais, ce ça a été looté il y a 5 minutes, ou il y a une heure, ou il y a plus de temps. On ne sait pas, les aides sont venues en tout cas. Oups. Ça est passé, je crois. En tout cas, on voit rien sur les sacs. C'est juste pour être un petit peu plus camo en attendant, peut-être un petit peu moins visible. L'utilité. Là, l'idée c'est de trouver un peu de matériel et éventuellement quelque chose qui puisse tirer pour qu'on puisse se défendre. Les premiers combats, je pense qu'on va devoir les fuir malheureusement. Oh, je vais garder le pantalon, j'ai besoin des slots. Il faudrait qu'on trouve un fil de couture éventuellement. En profiter, je vais prendre une aiguille que je vais garder sur moi pour anticiper les points de flemme. Ça monte pour le moment, tout se passe pas trop mal. On a un petit peu d'eau,
Je vais prendre dans les mains la peau humaine. Peau humaine. Peau de pantin, on va dire. Puisque si je trouve un bout de fil, je pourrais rapidement faire un carquois. Évidemment, si ça me gêne, je jetterai. Mais pour le moment, on va se balader comme ça. Il me semble avoir vu la trappe pour descendre. Éventuellement, je répéterai l'entrée principale, mais comme je vous disais tout à l'heure, je ne connais pas du tout le bunker. Donc t'as un mec qui squatte le... Un mec qui squatte le bunker. Intéressant. J'ai jamais fait, jamais fait de ma vie. Hein. Soit dans ce mode là ou mon arme en main, tant pis pour la peau. Il y a un comité d'accueil. Est-ce qu'il est dedans ou est-ce qu'il est reparti? Pour moi, il n'y a personne. Le loot est pas mauvais, quoi. Enfin, pour moi, je suis habitué à des serveurs où il n'y a rien du tout. Déjà qu'en règle générale, quand je me mets pas ce type de challenge, le One Life, ça stresse un peu. Mais là, c'est un peu tendu, surtout qu'on sait qu'il y a forcément quelqu'un, puisqu'il y a une mine qui a été posée. De couture, ça aurait été top là. La peau qui est dans les escaliers.
Il faut qu'on trouve rapidement soit du fil, soit du contenant. Avec pantalon, t-shirt. Ah ouais, enfin tout est bon à prendre là. Nice. Oh le con. Réparer la chemise, faire un carquois. On a quand même quelques chargeurs, il faudrait trouver un gun et quelques balles, ça devrait passer. On entend péter, on peut aussi éventuellement savoir que quelqu'un essaie de rentrer. Là, pour une fois que je regarde, l'occasion de ne pas mourir surtout. Vu le sens des portes, je pense que le mec est déjà sorti. Moi personnellement j'aurais fermé la porte, hein. On aurait eu moins de visibilité sur la mine. Enfin, c'est propre à chacun. Pas cornélien, hein, j'avoue. Gris clair, gris foncé. On va regarder si la trappe est ouverte ou pas. Okay. Ça nous donne déjà un peu une indication de comment le mec joue. Je pense qu'il arrive par ici, il a ouvert la porte. La porte de droite est ouverte vers l'extérieur, donc il est passé à droite. C'est pour ça qu'il a aussi piégé la porte d'entrée principale, c'est parce qu'il ne la prend pas. Pas vraiment traîner longtemps ici parce que enfin, je vous avoue que ça sent pas bon. Là, techniquement, il faudrait quelques cadenas, mais je vais pas non plus passer la mon loot. Je vais partir, trop risqué. Il y a un petit rigolo qui arrive. Ouais, éventuellement ramasser 5 cadenas pour faire juste un petit cadenas de bronze en début de game s'il faut s'enfermer dans une baraque en cas de problème. Les ciseaux si on a des trucs à couper. Alors, le scotch faut que je le reprenne, je sais pas où il était. Avec ça, le scotch et un tuyau long, on a possibilité de faire une lunette improvisée. Dans du build game, si on trouve. Non, pas un snipe, je vais pas déconner, mais. Une arme qui puisse. Là, ce qu'il nous faut, c'est un holster, évidemment, parce que les guns, techniquement, on est censé en trouver assez rapidement au début de game. Sac à dos. Pantalon, t-shirt. Aiguille. Pile.
balle, n'importe quelle balle, même abîmée. Même à 1%, je les prends. Ce dont je vous parlais, on a tout ce qu'il faut pour faire la lunette improvisée. Le fait que les cadenas, les casiers soient verrouillés, c'est un mini bon signe. C'est-à-dire que le mec est passé déjà il y a quelques temps, ou il ne les a pas ouverts, hein, c'est possible aussi. Ah, le loot est vraiment mauvais, mais ça on a l'habitude. Maintenant que je suis grillé à 100%. Après, ce qui m'arrange aussi, c'est qu'il y a une mine à l'entrée. Enfin, on va le mettre. Protection. Et que éventuellement quelqu'un peut arriver qui n'est pas forcément le poseur de mine. Alors, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas le point pour viser. Ah, voilà. Il n'y a pas le point pour viser sur le serveur. Et on a fait un... Oh, nice. Un beau shoot de Robin des Bois, là. Faut cruellement... Balle de 9 mm, balle de 0,45 ACP. Les pistolets évidemment, hein, mais... Bien aussi d'avoir les pistolets mais pas les balles. Le loot pour le type de serveur sur lequel on est n'est pas si mauvais au final. Hein. Et voilà, ça c'est le début des emmerdes. Face du slot, là clairement il faut prendre, et on va jeter les cadenas en début de game qui sont inutiles. Ça on lâche aussi, ça pour couper c'est pas mal. Ok. Tant pis pour les cadenas, un chargeur de RPK c'est quand même quelque chose d'intéressant. On trouvera pas l'arme, hein, ça c'est clair, mais si jamais on arrive à avancer jusqu'à un avant-poste, c'est aussi des choses qui ont une certaine valeur, qui vaudront le coup d'être vendues. Parce qu'il va nous manquer actuellement, c'est des slots. Hein. De faire le tour, on a fait évidemment le plus important. On n'est pas à l'abri de trouver encore des choses utiles. Ouais, genre ça. Alors une caisse à outils. Pour arriver, un caouet. Sac à dos, des aiguilles, tournevis, très utile aussi. Va falloir faire des choix bientôt. Va falloir faire des choix bientôt. Ouais. On va trouver 2-3 slots de plus. Voilà, genre ça. Hop. On reste sur des couleurs un peu... camo. Nos tournevis du soin. Je me demande si on ne tente pas d'ouvrir les casiers, non. Même si on est sur du très low loot, là la priorité c'est pas garder les tournevis pour éventuellement raid ou quelque chose. Pardon. C'est surtout pouvoir se défendre. Ou une petite boîte de pin. Ce dont je doute pas.
Un vrai gilet pare-balles, je prenais aussi parce que ça donne des slots. Pantalon militaire, veste, pull. Même si on est dans la partie très très chaude de la map, ça nous fera des slots. On entend un Z mourir. C'est un joueur ou un mecha qui l'écrase. Les deux sont possibles. C'est incroyable, mais vous voyez pas, mais mon cœur s'est mis à battre beaucoup plus vite. Une espèce de stress qui m'envahit là. C'est ouvert. On a dû laisser ouvert. En cas de... avec un cas dedans. Ça nous aurait fait nous faire repérer. Et la problématique, c'est qu'il n'y a pas de Z dans le bunker. Donc un mec qui rentre là peut se déplacer. Totalement librement. Et on va tomber sur un mec armé, vous allez voir. J'annonce la couleur. Maintenant, je n'ouvre plus aucune porte. Ouais, celle-ci, je suis obligé quand même. Des portes ou... suivant du loot intéressant. Désolé pour le silence, mais c'est... concentration oblige. Ici, on va mettre un Bambi. Et entendra les deux portes s'ouvrir, les égyptiens sont peut-être deux. Bon, clairement je le fais pas pour ça, hein. je fais ça pour qu'il y ait le moins de bruit possible. Je vous avoue qu'on va sortir en courant.
garder les tournevis pour un autre moment de la saison. On n'a aucune indication, hein. C'était peut-être un méca, mais le peut-être qui me pose problème. Obligé de jeter la barre, tant pis. Pas le choix. On va se dire que c'était le mecha qui l'a tué, hein. Ça nous permettra de nous sentir un petit peu moins stressés. Pas facile. Donc il y a bien un mec. Bon, bref. Bon bah voilà. On est mort, bah ici s'achève la première épisode, je vais pas relancer une game. Voyez un petit peu comment ça va un petit peu se dérouler, donc on va refaire un nouveau personnage, nouvelle série, nouvel épisode, nouveau stress. Waouh. De toute façon, c'était cuit, le mec je pense qu'il nous a entendu, comment dire, respawn. Respawn, non, ouvrir ou tuer des aides, non, quand les aides on n'a même pas tué. Et il a fait son boulot, hein. Arme automatique à la sortie de l'échelle. Bien joué, comme on dit, bien joué. En tout cas, merci à tous, j'espère que c'était court mais sympa, c'était le premier épisode, première tentative. Et le personnage a vécu 40 minutes. Bon, voilà. Allez les amis, passez une très bonne journée, à très vite. Et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres saisons, d'autres mini épisode comme ça sur One Life. Game. Ciao les amis, bon après-midi, à bientôt.